un peu, tu vois Mélisse. Faites vous asseoir. Monsieur le Premier ministre, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des 61 organisations représentées au CESE, chers amis, nous sommes, Monsieur le Premier ministre, très honorés de vous accueillir dans cet hémicycle de la troisième chambre constitutionnelle de notre pays. Vous étiez devant l'Assemblée nationale et le Sénat la semaine passée, vous voilà devant nous aujourd'hui. Vous êtes naturellement le bienvenu. La fréquentation du CESE par les plus hautes autorités de l'État est pour moi la preuve de la considération justifiée et de l'intérêt croissant pour notre Assemblée. Intérêt qui ne se dément pas et même se renforce. Les fortes ambitions mises récemment en avant par le président de la République pour le Conseil économique, social, environnemental me l'ont confirmé et je ne doute pas que vous les partagiez. Cette volonté de faire bouger les institutions, d'en optimiser le fonctionnement, elle nous anime depuis le début de cette mandature. Cette conférence en est d'ailleurs l'illustration. Elle est la première du genre et elle sera désormais annuelle. Elle a pour objectif de définir la feuille de route de notre Assemblée pour l'année à venir en prenant en compte les grands axes de la politique du gouvernement. Il s'agit par cette mise en perspective de permettre au CESE de jouer pleinement son rôle constitutionnel d'éclairage des pouvoirs publics, gouvernement et Parlement. Sa feuille de route mettra également en valeur les axes considérés par le Conseil comme stratégiques pour la société civile et sur lesquels il apparaît nécessaire de mettre en place une politique publique. Les autosaisines ont plus que jamais du sens pour rompre avec les décrochages démocratiques que nous connaissons. Elles permettent d'être toujours davantage à l'écoute de la société en général ou telle de ses composantes en particulier. Les pétitions que nous nous proposons de relier après examen complètent ce dispositif et lui donnent sa cohérence. Vous nous honorez ce matin de votre présence, Monsieur le Premier ministre, comme le Président nous a honorés de ses propos devant le Congrès de la République. Ils sont pour nous un encouragement. Ils nous confirment dans la voie que nous nous sommes tracés, dans la volonté qui est la nôtre de donner à cette Assemblée une légitimité incontestable, dont certains pourtant persistent à douter. Peut-être parce que nous sommes trop proches de réalités qu'ils préfèrent ignorer. En écoutant les mots prononcés par le président de la République, je me suis senti fier pour l'institution que je préside, fier de la reconnaissance qu'il nous exprime, de l'avenir qu'il souhaite nous réserver, fier, mais également satisfait parce que cette reconnaissance est aussi le fruit du travail de cette Assemblée depuis plus d'un an, le fruit de la politique que nous avons menée pour le CESE afin de le replacer résolument dans son rôle institutionnel. Nous notons enfin, en mesurant avec gravité et responsabilité, l'importance du propos, l'attention portée à la société civile organisée que nous représentons et la complémentarité que le président de la République suggère et souhaite voir amplifiée avec les deux autres chambres constitutionnelles, dans le même temps qu'il nous propose de voir plus loin et se propose de nous en donner les moyens. L'ambition du président est de faire en effet du CESE, je le cite, le carrefour des consultations publiques et la seule instance unique de consultation. Nous sommes d'autant plus en accord avec cette vision que nous avons été créés dans cet esprit. L'occasion nous est donc donnée de devenir dans un même temps le porte-voix de la société civile organisée et le partenaire sincère, loyal et régulier du gouvernement et du Parlement dans une relation dépassionnée. C'est une chance pour la société civile, une chance pour la démocratie, une chance pour un pays où la réforme doit être enfin dédramatisée.
la parole publique moins diluée et le citoyen mieux écouté. Monsieur le Premier ministre, vous avez obtenu la confiance du Parlement sur les constats qui vous paraissaient objectifs, sur des urgences que vous avez identifiées, sur les directions que vous entendez suivre. À bien des égards et dans bien des cas, vos problématiques sont les nôtres. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un œil sur nos travaux récents. Vous prendrez alors au passage la mesure précise de l'aide que peut vous apporter le CESE. Ainsi, vous inquiétez objectivement, des fractures de ce pays et de ces fabriques d'inégalités et d'injustices qu'elles génèrent, de ces accès de colère ou de renoncement qu'elles produisent, jusqu'à éloigner la moitié du pays des urnes. Vous mettez en avant ces fractures territoriales qui ne produisent que découragement en métropole comme en outre-mer. Vous vous inquiétez de la fracture numérique, des déserts médicaux, qui ne font qu'élargir encore le fossé entre les Français. Vous aimeriez faire se parler la planète éducation et la planète entreprise. Sachez que dans ces différents domaines, comme dans bien d'autres, vous avez au CESE l'expérience, la réflexion apaisée, et puis vous disposez de cet atout maître, les Français eux-mêmes, au travers de leurs associations, de leurs organisations. Le CESE est à l'évidence le lieu le mieux adapté pour travailler sur les multiples fractures qui traversent notre pays, engendre les populismes, appauvrissent notre pays, et ce pour deux raisons. La première, c'est que notre Assemblée n'a ni majorité ni opposition figée ou paralysée par des positions dogmatiques. La seconde tient aux 61 organisations qui la composent. Rendez-vous compte, la somme de leurs adhérents est sensiblement égale à la population française. Toutes les couches sociales, tous les territoires, toutes les professions, toutes les préoccupations, tous les espoirs des Français y sont rassemblés. Les travaux du CESE depuis le début de cette mandature sont d'ores et déjà à votre disposition pour nourrir votre réflexion. Vous entendre évoquer les inégalités dans notre pays fait ainsi immédiatement écho pour toutes les personnes ici présentes au rapport sur l'état de la France que nous devons constitutionnellement au pays et dont vous êtes personnellement destinataire. L'édition de 2017 est précisément consacrée à ce sujet des inégalités. La transition énergétique me conduit pareillement à vous renvoyer un avis du CESE que je n'hésite pas à qualifier d'emblématique sur la justice climatique, ou à celui sur l'agroécologie, fait sur saisine gouvernementale. Je veux également mettre en avant la réflexion menée par notre Assemblée sur les circuits de distribution des produits alimentaires, l'avis rendu sur l'aquaculture ou encore sur l'égalité réelle en Outre-mer. Ces travaux légitiment, s'il en était besoin, la participation active et reconnue du CESE aux différents chantiers lancés par le Président de la République et par vous-même sur l'alimentation, la mobilité, l'Outre-mer, les territoires. J'ai également compris que l'éducation était au cœur de vos priorités. L'avenir de l'école, l'enseignement sont des sujets centraux pour la société, pour l'avenir de notre démocratie. Sujets sensibles pour lesquels une mesure précieuse de l'acceptabilité des réformes est indispensable, ce qui pourrait nous éviter de retrouver dans la rue tous ceux qui auraient l'impression de ne pas avoir été associés à la réflexion collective. Sachez ainsi que notre section éducation travaille actuellement sur la question de l'orientation et de ses enjeux. Nous projetons d'ailleurs de nous ouvrir sur ce point à l'avis des citoyens par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, plateforme que nous expérimentons et que nous étendrons à d'autres avis ultérieurement. Dois-je enfin ajouter qu'à l'heure où vous vous apprêtez à réformer la législation du travail, notre expertise citoyenne ne vous sera sans doute pas inutile. Notre projet d'avis sur la discrimination syndicale fera l'objet d'un vote en plénière ce mercredi. Et si ce vote est positif, les préconisations présentes dans cet avis n'auront pour but que d'enrichir les ordonnances en cours d'élaboration. Comme vous le comprenez, Monsieur le Premier ministre, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Les axes prioritaires que s'est fixé le CESE et sur lesquels cette Assemblée m'a porté à sa tête
semble bien en cohérence avec les ambitions qui sont les vôtres pour le pays. Je ne dis pas que nous sommes ici des visionnaires, nous sommes simplement et humblement de bons connaisseurs du quotidien et de nos compatriotes, des constructeurs de consensus, des facilitateurs et des éclaireurs du chemin. Un chemin qui nous arrive même parfois de déminer. Tout cela, le président de la République l'a résumé en une expression que je fais mienne, le trait d'union. Vous avez, monsieur le Premier ministre, utilisé devant les parlementaires trois mots qui ont retenu mon attention. Ces trois mots sont la collégialité, la sincérité, l'expérimentation. La collégialité, vous y croyez ? Nous aussi. C'est d'ailleurs notre force et une part de notre identité. La sincérité, vous y croyez pareillement, nous aussi, car la société civile que nous représentons ne ment pas. Vous croyez enfin l'expérimentation, elle est souvent au cœur de nos préconisations, car c'est avec les acteurs et les territoires concernés que se construisent au plus près des réalités et des besoins ce qui est nécessaire. Nous y croyons donc aussi fermement. Vous avez enfin exprimé le vœu de pouvoir vous appuyer sur l'énergie et l'envie. Vous trouverez ici, monsieur le Premier ministre, l'une et l'autre disponibles pour servir le pays. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers, aucun décor fixe, rien que des proportions justes. C'est à l'habitant de décorer son logis, et j'imagine que ce décor sera variable. Contempler sans répit les mêmes formes, c'est entendre quotidiennement le même poète, il y a de quoi rendre odieux. J'aime Auguste Perret. J'aime ce mélange de classicisme et de modernité, cette volonté de lier l'élégance des beaux-arts à la simplicité de l'artisan. J'aime le dépouillement, l'humilité de son architecture. J'aime aussi son sens de la formule, ses phrases définitives qui irritaient ses contemporains autant qu'elles ravissaient ses admirateurs. Cette réflexion, celle que je viens de citer, lui ressemble. Comme souvent, sa portée me semble aller un peu au-delà de la seule architecture. En tout cas, elle me semble pouvoir s'appliquer aussi bien à l'architecture de béton qu'à l'architecture constitutionnelle. Un décor qui doit être variable si nous ne voulons pas devenir odieux aux yeux des Français. Le plus important étant bien entendu la justesse des proportions. Ces justes proportions, le président de la République les a définies, pour vous comme pour les deux autres assemblées constitutionnelles, devant le Parlement réuni en congrès le 3 juillet dernier. Réduction du nombre de membres, limitation du nombre de mandats successifs, amélioration du travail, modification des modalités d'élection ou de nomination, renforcement des missions, je n'y reviens pas. Mais quel chemin parcouru ? Quel chemin parcouru depuis ce 16 janvier 1925 où le gouvernement d'Édouard Herriot publiait le décret qui créait le Conseil national économique ? Un conseil qui, à l'époque, logeait dans une aile du Palais Royal, l'architecture était différente. Puis il y a eu la loi du 19 mars 1936, l'inscription à l'article 25 de la Constitution de la 4e République, et enfin le titre 11 de la 5e République, de la Constitution de la 5e République. Quel chemin parcouru, mais aussi quelle intuition. Je fais bien sûr ici référence à celle d'Édouard Herriot, mais évidemment aussi à celle du général de Gaulle, qui, dans son discours de Bayeux, soulignait l'importance d'introduire dans nos institutions, je le cite, « des représentants des organisations économiques, familiales, intellectuelles, pour que se fasse entendre, au-dedans même de l'État, la voix des grandes activités du pays. » Comme souvent, ces intuitions sont le fruit de la rencontre entre des intelligences et un contexte. Et le contexte, c'est celui des années 20 et de l'après-guerre, où le progrès, qu'il soit technique ou humain, échapper des mains de la puissance publique, et où la puissance publique souhaitait pouvoir l'anticiper, peut-être pas pour l'encadrer, mais en tout cas pour l'incorporer au développement de la société, et peut-être aussi, le cas échéant, pour mieux protéger l'ensemble de ceux qui y vivaient.
C'est finalement l'expression et le sens de l'expression « chambre du futur » que le président de la République a employé devant le Congrès pour vous définir. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, le gouvernement, les législateurs ont besoin de ce que le sociologue allemand Ulrich Beck appelait une modernité réflexive, c'est-à-dire une modernité capable de se repenser. Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes cette modernité réflexive. Si, si. Et vous le serez encore plus si notre pays parvient à réformer ses institutions dans le sens souhaité par le président de la République. Nous aurons bien sûr l'occasion d'échanger dans les prochains mois sur les évolutions qui concernent votre Assemblée, comme celles qui toucheront l'Assemblée nationale et le Sénat. Comme vous le savez, le président a confié le soin à Madame la garde des Sceaux, en lien avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de conduire les travaux sur ces réformes institutionnelles. De mon côté, à l'occasion de cette première venue ici, je souhaitais avant tout vous parler de ce que nous pouvons faire ensemble au service de la transformation du pays. Le futur, donc, est votre spécialité. Il affleure dans les axes stratégiques qui vous permettront, Monsieur le Président, d'arrêter à l'issue de cette conférence annuelle votre programme de travail. Il affleure aussi dans le rapport annuel sur l'état de la France que votre Assemblée a adopté le 2 juin dernier, dont le titre même, « Réconcilier la France », résume assez bien, me semble-t-il, le cap fixé par le président de la République. Un cap clair qui doit maintenant être tenu. Pour y parvenir, j'ai présenté la semaine dernière devant les parlementaires un constat, une feuille de route et une méthode. Le constat, c'est celui d'une France aux atouts immenses, à l'énergie intacte, mais qui souffre d'inquiétantes fragilités. Une dette dont le poids est devenu insupportable et qui menace notre propre souveraineté, une dangereuse addiction à la dépense, un modèle social auquel nous sommes tous attachés à juste titre, mais qui protège moins qu'il ne le devrait et qui n'offre pas les mêmes garanties en fonction du statut ou du lieu de résidence, un système éducatif qui forme très très bien les très très bons, mais qui creuse les inégalités. En plus de ce constat, j'ai présenté une feuille de route précise et chiffrée. Je ne vais évidemment pas la décliner devant vous ce matin, mais je me contenterai d'en exprimer la philosophie. Elle tient en trois mots: confiance, courage, conquête. Je crois en effet que la France peut retrouver et doit retrouver la confiance dans l'action publique, la confiance dans sa justice, dans sa sécurité sociale, c'est-à-dire dans ce qui la lie, et dans sa cohésion territoriale. Je voudrais que nous fassions collectivement preuve de courage. Courage devant tout ce qui peut menacer la sécurité des Français. Courage devant le défi migratoire pour être fidèles à nos idéaux comme à nos responsabilités. Courage de préparer l'avenir de nos enfants en refondant l'école, en rénovant notre modèle social et surtout en réduisant notre niveau de dette et nos dépenses. Je veux enfin que la France redevienne conquérante, qu'elle redevienne une terre d'accueil des intelligences, des entreprises, des investissements, qu'elle restaure la puissance de son agriculture, qu'elle saisisse la chance de la transition écologique, qu'elle assume complètement sa vocation européenne et internationale. Les meilleures intentions, mesdames et messieurs, se heurtent vite à ce que Jacques Prévert appelait les terrifiants pépins de la réalité. Ils seront là. Mais on peut dépasser ces terrifiants pépins de la réalité en respectant une bonne méthode. Et cette méthode, je la résumerai comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, en quelques mots: la collégialité, la sincérité, et je dirais même la recherche permanente, non pas de la popularité, mais de l'efficacité. Je crois également que l'exercice du pouvoir est d'abord un exercice de vérité. Et depuis trop longtemps, notre pays a pris la mauvaise habitude ou a cédé à une forme de facilité qui consiste à s'arranger un peu avec la vérité. J'y vois notamment une des causes de la crise de confiance qui a secoué notre pays. Cette vérité, elle n'est pas bâtie dans l'antre des ministères, au sein des cabinets. Cette vérité, elle se construit dans le respect et le dialogue avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, avec le monde associatif. C'est pourquoi, avec le président de la République,
Nous avons voulu prendre le temps de la concertation avec les parties prenantes sur les sujets qui structurent l'avenir du pays. C'est tout le sens des états généraux de l'alimentation, des assises de l'outre-mer, des états généraux des comptes de la nation et de la Conférence nationale des territoires. Nous voulons discuter avant, le cas échéant hors des assemblées, pour pouvoir ensuite délibérer complètement au sein des assemblées. C'est aussi le sens de ma présence ici ce matin. Parlons-nous, nourrissons-nous, préparons ensemble les grandes transformations dont notre pays a besoin. Je me réjouis à cet égard que nous puissions le faire très vite sur au moins trois sujets. Mon prédécesseur vous a, je crois, saisi sur la valorisation du dialogue social, un dossier au cœur de nos préoccupations alors que le Parlement examine en ce moment même le projet de loi d'habilitation visant au renforcement du dialogue social, un texte qui justement vise à le stimuler et à le diffuser dans l'entreprise et dans les branches. Permettez-moi à cet égard de souligner l'importance que revêt pour moi la méthode que nous avons choisie avec le président de la République et la ministre du Travail. On a beaucoup parlé du nombre de réunions organisées pendant tout l'été. Je veux également insister sur cet aspect de méthode qui me semble essentiel, qui consiste à considérer que l'ensemble des partenaires est légitime à discuter et qu'il n'y a évidemment ni partenaire plus légitime ni partenaire moins légitime et que le process est au moins aussi important que le fond. Dans une discussion, le process, le respect du process est au moins aussi important que le fond. Comme toujours dans les grandes œuvres, la forme et le fond sont indissociables. Alors, je ne sais pas si nous ferons une grande œuvre, je reste prudent en la matière, mais je sais que le fond et la forme restent indissociables si nous voulons réussir. Je sais aussi que votre Assemblée s'est saisie, ou va continuer à se saisir, de la question des déserts médicaux. Vos conclusions nous aideront à nourrir, affiner et préciser le plan de lutte contre les déserts médicaux que Madame la ministre des Solidarités et de la Santé présentera au mois de septembre. Enfin, vous avez engagé un important effort d'évaluation de l'action publique. Vous l'avez fait en vous appuyant sur deux autres institutions, la Cour des comptes et le Défenseur des droits. Là encore, les thèmes que vous avez retenus, politique publique en faveur de l'emploi des seniors, pôle de compétitivité et lutte contre les discriminations syndicales, permettront au gouvernement de rendre ses actions, ses politiques, plus efficaces. En plus de ces thèmes, je vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de prendre ensemble un peu d'avance sur le futur, en tout cas sur un futur proche, en consacrant votre temps, vos intelligences, à trois sujets de réflexion sur lesquels le gouvernement souhaiterait pouvoir recueillir vos avis. Le premier concerne le travail indépendant. Son développement n'est plus un phénomène de société. Il est une tendance lourde de notre économie, un gisement considérable d'emplois et d'activités que nous devons organiser. Et, mesdames et messieurs, je dis bien organiser, c'est-à-dire ni freiner, ni entraver, ni encore moins interdire, organiser. Et dans mon esprit, organiser, ça implique de respecter au moins une exigence, celle d'offrir à ces travailleurs indépendants des garanties comparables, pas forcément identiques, mais comparables à celles des salariés. Le gouvernement prendra ses responsabilités en leur ouvrant un accès à l'assurance chômage. Mais les donneurs d'ordre doivent aussi y contribuer, des donneurs d'ordre qui, bien souvent, hésitent à avoir recours à des travailleurs indépendants de peur de voir ces contrats requalifiés. La loi Travail d'août 2016 a permis aux collaborateurs de plateformes de services d'accéder à la négociation collective, à la prise en charge de droits dans le domaine de la protection du travail et à la formation professionnelle. La négociation collective peut également apporter des réponses. Le sujet n'est pas nouveau. Les gérants non salariés de succursales alimentaires ou les agents d'assurance bénéficient depuis longtemps de garanties conventionnelles. Reste à savoir qui est légitime pour négocier dans ces domaines. Ces questions méritent une réflexion approfondie et une réflexion approfondie de votre part. Une réflexion qui pourrait par exemple se nourrir d'expériences étrangères, en particulier les expériences espagnoles et italiennes. Dès le mois de septembre, le gouvernement conduira une concertation avec les partenaires sociaux dans le but d'engager au printemps 2018 la réforme de la sécurisation des parcours professionnels.
Nous sommes donc et nous serons donc attentifs à ce que vous pourrez dire, penser et proposer en la matière. Le deuxième sujet concerne la transition écologique. Ce n'est pas à vous, dans cette enceinte, que je vais expliquer que cette transition dépasse largement le cadre étroit d'une politique sectorielle, voire d'un courant de pensée, pour embrasser l'ensemble de l'action publique. Si l'État est un acteur important de cette révolution, il est loin d'être le seul. Il n'est pas non plus le plus rapide, ni le plus agile. La transition écologique est en pratique d'abord une révolution locale. Et il suffit de parcourir les régions françaises pour s'en convaincre, les villes françaises pour s'en convaincre. Des régions, des villes, où grâce aux élus, aux associations, aux entreprises, aux salariés, les initiatives se sont multipliées dans des domaines aussi variés que la production d'énergie renouvelable, bien entendu, mais aussi le développement des circuits courts. Et il y aurait d'ailleurs quelque chose d'extravagant à imaginer le développement des circuits courts vu d'en haut. Une forme de contradiction dans les termes, qui n'a sans doute pas arrêté tout le monde, mais qui néanmoins devrait nous alerter tous. La mobilité durable, la rénovation thermique des bâtiments, la lutte contre l'artificialisation des sols. C'est très bien, je m'en réjouis, mais nous pouvons peut-être reconnaître que cette mobilisation riche, variée, parfois variable, gagnerait à être animée et organisée, peut-être même coordonnée. C'est pourquoi le gouvernement se tourne vers vous pour l'aider à déterminer les modalités de cette animation. Des modalités qui, si vous le voulez bien, pourraient se concentrer sur trois aspects. D'abord, je peux le dire dans un hémicycle construit par Auguste Perret, même si je n'aime pas le mot, la co-construction entre acteurs publics et privés. J'aime l'idée, hein. C'est le mot qui ne me plaît pas beaucoup, mais j'aime l'idée. Cette co-construction suppose de disposer d'enceintes, de lieux et d'une méthode de dialogue. Elle suppose aussi de savoir y associer les citoyens. La simplicité des outils, c'est le deuxième point. Si on veut faire vite et bien, il faut faire simple. Faire simple, c'est probablement éviter d'empiler des schémas de planification dont les objets sont variés, les périmètres parfois différents, et la coordination toujours un peu fragile. Entendons-nous bien, je ne conteste pas l'idée qu'il faille planifier des politiques publiques ou des transitions. C'est le recours à des instruments aussi multiples et aussi foisonnants qui me laissent parfois rêveur dans l'opérationnalité qui peut en découler. Enfin, troisième point, l'expérimentation. Je l'ai dit devant les députés et les sénateurs, les collectivités locales doivent être libres, libre en particulier d'expérimenter, à nous, au gouvernement, à vous, au Conseil, de leur donner des outils pour engager et réussir des négociations au niveau local autour de projets concrets. Troisième sujet, enfin, l'attention portée à certaines situations de fragilité. Je l'ai aussi dit la semaine dernière, nous serons jugés sur la façon dont nous nous comporterons avec les plus faibles. Pas seulement pour changer le regard que la société porte sur eux, en particulier sur le handicap, sur les jeunes en perte de repères, mais pour reconnaître tout ce que nous pouvons recevoir d'eux. J'ai annoncé des mesures immédiates, comme j'ai annoncé des mesures prochaines, comme la revalorisation de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse, elle interviendra en 2018. Ces efforts financiers sont salutaires, nécessaires, mais ils ne seront pas suffisants. C'est pourquoi j'ai appelé, à la suite du président de la République, à une mobilisation nationale en faveur des personnes en situation de handicap. Une mobilisation que l'on peut élargir, sans je crois en trahir l'esprit, à ces jeunes qui cumulent souvent tous les handicaps, qu'ils soient physiques ou sociaux. Et vous avez toute votre place dans cette mobilisation. Vous y serez étroitement associés. Le spectre de la réflexion étant large, je vous propose d'en limiter le champ à trois aspects principaux. Le premier concerne les ruptures de parcours de jeunes majeurs qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et se retrouvent brutalement propulsés dans la vie d'adulte. Un passage qui n'est jamais facile, même quand tout va bien. Un passage qui peut se révéler
cruelle, voire fatale, pour des jeunes qui cumulent carences et difficultés depuis leur plus jeune âge. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit des mesures pour mieux préparer cette transition. Je voudrais, si vous en êtes d'accord, que votre Assemblée approfondisse cette réflexion, évalue l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, formule des recommandations pour sécuriser encore mieux ce passage. Le deuxième thème traite de la prise en charge éducative, sociale et médicale des enfants ayant des troubles du comportement. Le thème est malheureusement trop classique. Vous connaissez tous cette situation, des enfants en échec scolaire, des institutions souvent de bonne foi qui se renvoient la balle, des parents parfois fragiles qui se sentent démunis et des pouvoirs publics qui n'ont pas toujours le temps de mener une réflexion d'ensemble. Cette réflexion, je souhaite vous la confier. Enfin, dernier thème, l'intégration dans l'emploi des personnes en situation de handicap, en particulier les plus jeunes d'entre eux. La situation évolue, peu, trop lentement, mais elle évolue. Nous avons désormais des jeunes mieux formés. Pour autant, est-il normal que le taux d'emploi de personnes en situation de handicap demeure inférieur à 40% 30 ans après la création de la GFIP? J'aimerais, mesdames et messieurs les conseillers, disposer d'une photographie plus nette de la réalité, savoir s'il existe un moyen d'évaluer les performances d'une entreprise qui respecte ses obligations d'emploi, ce que ça lui apporte, effectivement. Je voudrais comprendre les attentes des entreprises vis-à-vis du service public de l'emploi pour réussir l'intégration des jeunes, connaître les emplois, les métiers, les branches dans lesquelles les travailleurs en situation de handicap sont les plus présents, et surtout, connaître les moyens d'élargir cet horizon qui est forcément trop étroit. Certains de ces thèmes paraîtront peut-être un peu classiques. Ne nous y trompons pas. Ils sont d'anciens problèmes futurs que nous n'avons pas pu ou pas su anticiper. Ils représentent surtout autant de fissures dans le ciment ou dans le béton, comme aurait dit Auguste Perret, du corps social. Je conclurai d'ailleurs avec Auguste Perret. Quand il a conçu la salle que nous avons traversée, Monsieur le Président, il y a quelques minutes, du Palais Diana, Auguste Perret imaginait, je le cite, cette salle comme un vaste abri à toutes fins utiles. Je vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, que nous soyons des hommes et des femmes de fins utiles. C'est une belle mission, c'est la mission du CESE, et je voudrais, pour conclure, terminer par un mot personnel, pour vous dire que quand je viens dans cet hémicycle, quand je viens dans ce bâtiment, j'ai l'impression de venir chez moi. Non pas du tout parce que je voudrais marquer un sentiment d'appartenance à cette Assemblée, ça n'est pas le cas, ou pire encore, un sentiment de possession vis-à-vis de cette Assemblée qui serait évidemment malvenu. Mais quiconque a eu la chance, l'incroyable chance, de connaître l'architecture de l'hôtel de ville du Havre, ou quiconque a eu, c'est mon cas, la chance de vivre dans un de ces immeubles sans affectation individuelle construits par Auguste Perret après la destruction totale du Havre, a le sentiment d'être ici comme on serait chez soi. Et c'est donc avec un grand sourire et beaucoup de reconnaissance que je vous remercie de m'avoir écouté.